Coucou les icônes, on est le 7. Je vais faire un outfit of the day. Donc ça vient du Zara. Ça vient d'un magasin en Hollande, mais je sais pas du tout comment il s'appelle. Ça c'est un pantalon basique quoi, et ça brillant beaucoup. Et ça c'est mes cuissardes que j'ai reçues hier quoi, de ASOS. J'aime trop. Donc on regarde des œuvres d'art et on veut faire des analyses esthétiques et tout ça. Super cool. Mais bon, excusez mon écriture, ça va. Sephora. Je viens de me faire confisquer mon lycée avec Balkis. Ça me fait vraiment. Moi j'ai pas le temps, tu vois. On a une vie. On a YouTube. On a des études. Sur notre téléphone. Quoi? Pendant une semaine. Dis-le. Voilà, on n'a pas les mots. Jamais à la sagesse. C'est pas la même erreur que Noéla. Parce qu'elle a connu. Que nous, mais jamais à la sagesse. C'est la pire école du monde. Putain, c'était quand même dépressif. Ah. Ça focus sur ma tête. On m'arrête sur mon téléphone. En plus, c'est trop beau. Je suis sûre que c'est de l'art. T'as fini avec les toi. Ouais, et toi? J'étais sur Twitter de Justin et je viens de voir qu'il a fait une collaboration avec H&M. Il a mis un tweet. Vous n'êtes pas obligé d'être sur Twitter pour voir ça parce que moi je suis pas et je vois. Attendez. Je vais enlever la luminosité. Voilà. J'ai acheté un pull trop beau. Je l'ai pris en la plus grande taille pour le faire un peu en robe comme ça, vous voyez. Il faut savoir que moi quand j'étais à son concert, les pulls comme ça. C'était entre 80 et 120. Je sais que sur le Purpose Marchandise, donc le site de Justin, c'est 120€. Et ici, H&M collaboration, 29,90€. Plus livraison, ça fait 33€. J'ai oublié de vous dire hier dans le vlog la référence de mes bottes, mais si vous voulez, c'est celle-ci. Faites capture si vous êtes intéressé. Si toi aussi, ce matin, t'as vu le ciel trop beau. C'est un truc de fou, non? On m'a demandé de faire un dressing tour, enfin avec ma collection de maquillage et tout. Mais je n'ai pas encore l'affaire. Cependant, je vais vous étonner une vidéo. La fois passée, elle dure 24 minutes et j'arrive pas à l'exporter. Elle est vraiment en plus hyper intéressante, mais vraiment genre hyper intéressante. Je peux juste vous dire que c'est une première impression d'une marque et les tests en live. J'ai oublié de vous dire, mais dans les derniers vlogs, j'ai mis souvent des musiques de un garçon qui s'appelle Devonta. Attendez, je vais vous dire exactement son nom. Sur SoundCloud, il s'appelle Devonta Gigi, donc je le noterai ici. Et sur Instagram, il s'appelle Wavy Thing, je le mettrai aussi ici. Et j'adore trop sa musique et je trouve qu'il devrait vraiment être beaucoup plus connu. Je vais vous faire écouter un extrait de Bluff. Par exemple, qui est sur SoundCloud, toutes ces musiques sont sur SoundCloud. Apollo, never they get no gear class, baby. These other niggas, they just bluff, yeah, they bluff, yeah, they bluff. The fuck with the bro nigga. Ça c'était Bluff et l'autre c'est Eastside Chowdy. Aimez ce genre de musique, allez voir, franchement c'est de la super bonne musique qu'il fait, il a des super bons goûts de musique, donc allez checker ça sur SoundCloud si vous avez et sur Instagram aussi, j'adore sa musique, on adore. C'est Sephora Balkis comme moi, donc on a décidé de la mettre dans nos vidéos. I know I'm grabbing my dust and you're scratching my back and you're kissing my neck, but when you get bipolar, eh? Never they get no gear buff, baby. These other niggas, they just bluff. Yeah, they bluff, yeah, they bluff. Give a fuck with a real nigga.